Alors, la destinée et le destin, c'est une distinction que Jankélévitch opère dans L'aventure, l'ennui, le sérieux, qui est un livre qui ne traite pas immédiatement du soin, mais en fait qui peut apporter des réflexions intéressantes. En fait, l'idée, c'est que le destin, c'est la dimension déterminée de la vie humaine, dans toutes ses dimensions politiques, économiques, sociales. Et en parallèle de ce destin, il existe pour Jankélévitch la destinée, qui est en fait l'expression de la liberté de l'homme. C'est-à-dire que je suis peut-être, mon destin est peut-être de devenir cette chose ou celle-là, mais ma destinée, c'est justement de pouvoir m'en affranchir et de pouvoir m'en émanciper. Et donc évidemment, dans la relation de soins, c'est très intéressant parce qu'on peut vivre en fait la maladie comme un destin. Et c'est quand même d'abord ça, c'est quand même une fatalité qui s'impose à une subjectivité, mais c'est aussi par la relation de soins la possibilité de l'ouverture d'une destinée, c'est-à-dire la possibilité de vivre la maladie autrement que comme simplement un destin. Et donc ça peut être effectivement une des façons de concevoir la relation du soignant au patient et du patient au soignant évidemment, cette possibilité d'ouvrir la destinée.